La préparation au massage que je vous propose ici est issue du Do-In, mais volontairement simplifiée. Cet exercice vous permettra d'harmoniser vos énergies et de vous mettre dans un état d'esprit propice au massage. Le Do-In est une technique ancestrale qui demande de nombreuses années de pratique. Harmonisez votre posture. Écart des jambes au niveau du bassin, sacrum rentré, genoux fléchis et épaules détendues. Ébrouez les énergies négatives par la plante des pieds. Effectuez la rotation des chevilles dans un sens puis dans l'autre. Et assouplissez les orteils. Effectuez la même technique de l'autre côté, rotation des chevilles. Et assouplissement des orteils. Nettoyez les genoux par des rotations dans un sens puis dans l'autre. Vous allez effectuer une rotation des genoux en ouverture puis en fermeture. Effectuez une rotation du bassin dans un sens avec les épaules toujours très détendues, puis dans l'autre sens. Ébrouez les bras afin d'évacuer les énergies négatives par la paume des mains. Faites des rotations des poignets dans un sens, puis dans l'autre, avec le plus de fluidité possible. Procédez maintenant à l'automassage dessus de la main par des rotations articulaires. Au niveau des doigts, en insistant sur les articulations, vous massez chaque doigt jusqu'aux extrémités. La zone des mains est une zone très importante dans le sens où il y a des points maîtres en acupuncture qui sont localisés au niveau des poignets et des doigts. Le massage des doigts permet l'évacuation des énergies bloquées par les extrémités. Veillez toujours à votre posture, le sacrum rentré, les épaules détendues et le dos droit. Ébrouez les mains. Vous allez détendre l'articulation des coudes par un mouvement de respiration. À l'inspire, vous pliez vos bras et à l'expire, vous détendez le mouvement. Inspirez en fléchissant les coudes et expirez en abaissant les mains vers la terre. Ouvrez votre cage thoracique
en écartant les bras vers l'extérieur. Afin d'amplifier le mouvement respiratoire. Puis vers l'intérieur. Accompagné de respiration profonde, vous allez masser la mâchoire, qui est un lieu de tension importante. Puis vous redescendrez en lissage sur le cou. Puis vous allez ébrouer l'énergie négative par les mains. Ensuite, vous automassez le nez, qui est la zone réflexe du poumon en médecine chinoise. Et vous évacuez par les mains. Vous allez ensuite masser toute la zone des sourcils avec des pressions fermes et souples. Puis masser les oreilles. Vous allez ensuite tapoter le visage avec des mouvements fluides. Ainsi que le crâne. Afin de faire redescendre les énergies bloquées vers la terre. Vous allez ensuite vous abaisser et masser la zone occipitale à la naissance du crâne. Ainsi que la nuque. Puis avec les poings fermés, toujours, et souples, vous allez tapoter le thorax, puis redescendre à l'intérieur du bras, à l'extérieur du bras. Lorsque vous descendez, vous stimulez la paume des mains et vous remontez par l'extérieur en assouplissant les trapèzes. Ensuite, vous allez effectuer la même technique de l'autre côté, en descendant par l'intérieur, en remontant par l'extérieur, et en stimulant la paume des mains, en assouplissant les trapèzes. Vous allez libérer les énergies bloquées au niveau du plexus, des côtes, avec des pressions fermes et souples, ainsi qu'au niveau du bassin. Ensuite, vous allez fluidifier l'énergie des jambes en tapotant et descendant par l'extérieur et vous remontez par l'intérieur. On stimule les méridiens extérieurs, puis on remonte par les méridiens internes. Stimulez bien la zone du bassin, puis la zone du dos, avec des tapotements fermes et souples toujours. L'énergie au niveau de la zone lombaire est une énergie innée qui est sacrée en énergétique chinoise. Vous ébrouez vos mains.
Faites quelques étirements en inspirant et à l'expire, vous lâchez. Il est conseillé pour le confort du receveur de chauffer les huiles dans ses mains. Vous pouvez également les chauffer à l'aide d'un chauffe-biberon sans les faire bouillir. Vous pouvez composer votre propre mélange avec un support d'huile neutre comme l'huile d'amande douce. Et y ajouter par exemple quelques gouttes d'huile essentielle de rose ou de lavande pour apaiser votre esprit. Vous trouverez ici quelques exemples de mélanges possibles. Pour plus d'informations, je vous conseille également de consulter un naturopathe afin de découvrir les huiles qui vous correspondent le mieux. Prenez contact avec le receveur en vous concentrant sur votre respiration abdominale, en gardant une attention particulière sur votre posture tout au long du massage. Les genoux un peu fléchis, le dos droit et les épaules détendues. Découvrez les jambes afin de procéder au massage. Au préalable, vous aurez mélangé des huiles essentielles à de l'huile neutre, sur un support d'huile d'amande douce par exemple. Enduisez d'huile les deux jambes. Et ensuite, vous allez faire un lissage jusqu'aux cuisses. Et vous redescendrez par un balayage sur les côtés en incluant le lissage du pied dans la descente. Vous allez poser une main sous le genou, puis l'autre main massera profondément dans un mouvement circulaire la rotule. Cette technique permet d'évacuer les énergies bloquées dans les jambes par la plante des pieds. Massez avec les deux mains l'ensemble du genou en redescendant vers le pied. Effectuez le massage du pied. Commençons par un balayage global, en accompagnant le massage de petites rotations. Ensuite, vous ferez le contour des malléoles. Vous lissez le tendon d'Achille en remontant. Massez l'ensemble du dessus du pied. Puis, orientez-vous sur la partie interne et médiane du pied. Avec un massage de façon circulaire, effectué avec la paume des mains. Redescendez en dessous de la malléole. Et ensuite, vous masserez l'extérieur du pied avec des pressions fermes et souples. Puis la zone en dessous de la malléole externe. Vous massez le dessus du pied. Les mains jointes au niveau des orteils, vous allez procéder à un massage sur la plante des pieds, accompagné de petites rotations.
Vous étirez doucement la jambe, puis vous recouvrez la partie massée. Vous remontez en lissage sur la deuxième jambe. Et vous redescendez en incluant le lissage du pied. Posez une main derrière le genou, puis l'autre main, avec souplesse et fermeté, massera le genou. Redescendez en balayant le genou jusqu'au pied. Effectuez le massage en lissant le pied, puis faites le contour des malléoles. En remontant. Ensuite, procédez au lissage sur le dessus du pied. Accompagnez le mouvement de rotation légère. Vous masserez l'intérieur du pied en redescendant sous la malléole interne, en massant avec la paume de la main. Puis le dessus du pied. Et ensuite, sous la malléole externe. Les mains jointes au niveau des orteils, une main en contact avec les orteils, l'autre descend jusqu'au talon pour remonter ensuite jusqu'au-dessus du pied. Vous étirerez légèrement la jambe, puis vous allez recouvrir la partie massée. Prenez contact avec les chevilles en harmonisant votre respiration à celle du receveur. Délicatement, prenez contact en posant une main sur le thorax et une main sur le ventre. Vous harmonisez votre respiration à la respiration du receveur. Découvrez la partie du ventre. Vous aurez au préalable disposé deux serviettes afin de tenir au chaud le thorax lors du massage du ventre. Bien dégagez la zone du plexus et enduisez le ventre d'huile. Vous allez faire des cercles en tournant simultanément dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
puis vous tournerez dans le sens des aiguilles d'une montre. Veillez à garder un mouvement harmonieux et fluide. Prenez contact avec un point juste au-dessus du nombril. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Prenez contact avec un point sur le côté du nombril, toujours en gardant le sens inverse des aiguilles d'une montre. Effectuez les 4 points cardinaux autour du nombril. Puis vous allez amplifier votre mouvement. Vous allez masser toute la zone autour du nombril. Massez la zone large au-dessus du nombril jusqu'au plexus dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Redescendez en couvrant les 4 points cardinaux tout autour du nombril. Faites un tour complet avec un mouvement ample et fluide. Puis tournez autour du nombril dans le sens des aiguilles d'une montre. Dans le ventre se logent toutes les tensions émotionnelles. C'est une zone très sensible. Le donneur doit respecter et être attentif aux différents ressentis du receveur. Vous allez masser la zone du plexus solaire dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis vous descendrez sous chaque côte avec des mouvements circulaires. Vous recommencerez le mouvement du lissage avec les deux mains sur toute la zone du ventre dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Puis dans le sens des aiguilles d'une montre avec des gestes lents et harmonieux. Prenez contact avec la zone du nombril. Vous allez couvrir la zone du ventre et découvrir la zone du thorax.
Prenez contact avec la zone du cœur, au milieu de la poitrine, et faites un mouvement de rotation, toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Avec les deux mains superposées, la main supérieure donnant l'impulsion du mouvement. Vous allez orienter votre rotation sur une zone plus précise, le point d'acupuncture, le 17 Renmai, au milieu de la poitrine, point maître en cas d'oppression thoracique et de difficultés respiratoires. Suivi d'un mouvement plus global sur toute la zone thoracique. Prendrez contact avec les 27 reins, deux points d'acupuncture maître dans le creux sous-claviculaire. C'est un point de l'équilibre général du corps. Et vous allez masser le pourtour de la clavicule. Vous pouvez remonter jusqu'aux épaules et vous insisterez sur les 27 reins. En massant toujours dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, afin de procéder à un nettoyage énergétique. Massez les épaules de façon à détendre les articulations, puis en profondeur, vous masserez les 27 reins. D'un côté puis de l'autre. Puis vous continuez un massage global jusqu'aux épaules. Le massage des épaules permet de détendre les tensions dans les articulations et d'amplifier la respiration thoracique. Vous recouvrez la zone du thorax. Vous vous positionnez à la tête du receveur. Vous allez effectuer de petits balancements. Puis des mouvements plus profonds, comme si vous marchiez avec vos mains afin de détendre les trapèzes.
Ensuite, vous prendrez contact avec la nuque. Et vous procéderez à de petites vibrations légères en étirant profondément la nuque. Et effectuez un lissage . Prenez contact avec le crâne et vous allez faire de petites vibrations au niveau du crâne. Prenez contact avec un point entre les sourcils et vous remonterez en lissage bilatéralement jusqu'au sommet du crâne en prolongeant le mouvement dans le cuir chevelu. Vous recommencerez 3 fois le même mouvement. Vous prendrez ensuite contact avec le même point, au milieu des sourcils, en dessinant cette fois-ci une transversale jusqu'au cuir chevelu. Vous referez aussi 3 fois ce mouvement. En partant du même point, écartez vos mains sur toute la zone frontale jusqu'à la zone des tempes. Vous redescendrez sur les masséters. Jusqu'à la mâchoire. Puis en dessous du menton. Et enfin remonter au niveau des tempes. Vous placerez une main sur le front du receveur et l'autre main massera le haut du crâne en descendant au niveau de la base occipitale de chaque côté à la base du crâne. Deux pressions peuvent être utilisées, la paume de la main ou le bout des doigts, en rotation circulaire. Vous allez ensuite masser le Vinbairoé,
point maître en acupuncture au sommet du crâne. Le point de la connexion au ciel, traditionnellement, qui permet à la personne de bénéficier d'un équilibre général. Vous pouvez masser ce point dans le sens des aiguilles d'une montre afin de le tonifier. Vous prendrez contact avec le front et le haut du crâne et vous harmoniserez votre respiration au niveau abdominal. Ensuite, vous allez vous positionner au niveau du thorax, une main au niveau du cœur et une sur le ventre, afin de faire descendre l'énergie vers la terre et d'harmoniser les centres énergétiques entre eux. Ensuite, vous effectuerez des légers balancements. Puis vous prendrez contact avec les genoux en accompagnant de légers balancements aussi. La même technique sera utilisée pour les chevilles. Puis vous vous placerez au niveau des pieds du receveur en effectuant de petits balancements. Et une pression ferme jusqu'aux orteils. Recentrez-vous sur votre respiration. Le massage est terminé. Après chaque massage, il est conseillé pour le donneur de se débarrasser des énergies négatives en évacuant par les jambes toutes les énergies bloquées. En ébrouant également les bras afin d'évacuer les énergies par la paume des mains. Vous allez effectuer ensuite un lissage du coude vers la paume des mains jusqu'au bout des doigts.